Donc voilà le coffret. Donc c'est comme je disais, hein, c'est un coffret pour un bout 1,5. Hop. Donc la marque, hein, c'est Bass. C'est monoutillage.com qui m'a envoyé ça. Donc la boîte est assez sympa, pratique, pas très épaisse, donc on peut bien la ranger. L'ouverture est simple. Donc voilà comment ça. Donc nous avons toutes les douilles, donc ça va de 10 à 24. Donc bon, je vais pas toutes les énumérer, hein, vous les voyez. Je vais vous en montrer quelques-unes. Donc la douille de 10 renforcée. Donc les douilles de 10 renforcées sont faites pour les clés à choc, hein, pour pas les abîmer, tout simplement. Ah bah voilà. Les exceptions qui sont dessus. Je vais vous montrer la 21 aussi. Donc, vous voyez, hein, ils ont l'air d'être assez bonne qualité, hein, donc c'est du 6 pans. Je vais vous montrer la 24. Voilà. Donc elles font un bon poids quand même. Donc après, bon, je pense pas que ce soit de la merde. Hein. Je vais les essayer ce week-end en changeant un quart d'an sur mon véhicule. Donc bah, je vous dirai ce que j'en pense, hein, tout simplement. Mais à première vue, pour l'instant, l'emballage est assez simple et assez. Bah, il n'y a pas besoin de faire des cent des mille. Hein. Je suis vraiment satisfait de cette petite boîte. Hop. Vraiment, ils sont faciles. Hein. Ça clip. Hop, vous le rangez, ça prend pas de place. Le seul truc que j'aurais remarqué, c'est qu'il manque à la limite des petites roustifications comme ils ont chez eux. La dernière fois, j'ai eu un kit de tournevis et il y avait des petites fixations, il suffisait de l'accrocher au mur. C'était bien pratique. Voilà. Allez, au revoir.